On est sur le tapis rouge en marge de la grande avant-première inauguration du nouveau Ciné Campus aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fier de cette inauguration? Ah, énormément. C'est même pour nous, ça va couronner ces 3 ans d'efforts pour préparer cette soirée, préparer les équipements. Nous sommes très heureux que ce soir, ça soit complet et avec une avant-première aussi. Puis pour les étudiants, qu'est-ce que vous pensez que ça représente d'avoir un cinéma à la fine pointe de la technologie comme ça sur leur campus? Bien, en fait, c'est pour leur donner le goût de voir davantage de cinéma, vraiment de se plonger dans des films un petit peu plus répertoires, donc de devenir les cinéphiles de demain. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas changé le prix d'entrée, donc c'est toujours 4 $. Donc, malgré tout l'investissement qui a été fait, les étudiants continuent à payer un très bas prix. Au début, on inaugure un nouvel équipement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet équipement-là qui est maintenant au centre d'essai du pavillon GDSavis? Oui, selon ceux qui ont fait l'installation, qui nous a dit qu'on était peut-être les mieux installés, la meilleure salle de cinéma au Canada. Donc, on vient au Ciné-Campus où on fait un compromis et on va ailleurs. La vie d'Adèle, pour vous, est-ce que vous êtes content d'avoir eu ce film-là en particulier? Oui, c'est assez prestigieux, puisque c'est le film qui a gagné à Cannes. On l'a en primeur. Bonjour! J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pensé du film. Ah, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, c'est ça. Beaucoup aimé. Pareil, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment bien. Surtout la fin, ouais. Okay. Ouais, vraiment, il fallait que ça finisse comme ça, exactement. On n'est pas déçus du tout. On a adoré ça. C'était intéressant. Beaucoup de moments gênants pour le public, mais vraiment sympa. Enfin, il y a beaucoup de sens, on va dire. Je sais pas, il y a des longueurs et je trouve que c'est un peu cliché, par exemple. Genre sur l'homosexualité, ouais, c'est vachement cliché. Ouais, le film était bien, mais la qualité technique aussi qu'on voyait ce soir pour la première fois était excellente. Oui, j'ai vraiment aimé ça, j'ai pleuré et j'ai ri. J'ai encore les yeux bouffis, je trouvais ça super bon, intense, mais bon. C'était la première fois que tu allais au nouveau Ciné Campus. Oui, c'est magnifique. Pour vrai, ça fait une différence. Le son est puissant et la définition de l'image. C'était comme on l'a vendu au début, n'est-ce pas? On voyait genre les points noirs des actrices. Non plus. Mais c'est juste que d'avoir une salle à niveau, ça nous a permis d'être crédibles quand on rencontre les distributeurs. Parce qu'auparavant, on était une sous-salle, si on veut. Et là, maintenant, de fait qu'un distributeur ose faire une première sur le campus de l'université, à cause notamment de l'équipement, évidemment. Que là, ça, c'est une très grande réussite. Ne serait-ce que ça.